on accueille maintenant Marion Guilbeault. Bonjour Marion. Bonjour. Qui est en charge de la programmation. Milenka, qui se cache derrière ce joli prénom? Et derrière cette cape en et or. Derrière cette cape en or. Hein. Couverture de survie pour camping. C'est super. Et ses chaussures de Pocahontas. Petit chaperon doré. C'est un peu le petit chaperon doré. C'est un duo, c'est Oumia qui est Ginny. Ils sont illustrateurs et musiciens. Lui, il a commencé la musique avec R et Jean-Louis Murat. Et puis après, il a enregistré un album avec la chanteuse Camille et une troupe d'enfants. Ginny, elle a beaucoup voyagé. Elle a travaillé avec un groupe japonais. Et puis leurs routes, elles se sont croisées dans le sud de la France. Et là, ils se sont installés dans une maison qui est à la fois leur atelier et leur studio. Elle est à 100 000 mètres d'altitude, dans la nature, dans les collines à côté de Vence. Et leur musique, elle est assez perchée, elle aussi, parce que c'est des chansons qui sont inspirées par la nature, la forêt, les montagnes, les animaux. C'est des vrais babacools. Ils mélangent les synthés vintage avec des frottements de galets sur le sol, des bruits d'animaux derrière les chœurs qu'on entend dans les chansons. Ouais, ils bossent pas, quoi. Ils chantent en français, ils chantent en anglais, des fois même en japonais. Ils ont un album qui s'appelle Tipeee, qui est disponible en téléchargement légal. Et ils vont être en concert le 27 janvier à Montreuil, le 8 février à la gare Coustelès, à côté d'Avignon, toujours dans la Garrigue, et au centre Barbara Goudor à Paris, le 6 mars. Ils sont accompagnés par Mélissa et Michael. Ils interprètent une chanson qui s'appelle Japan, et ils sont Milenka. Thank you.
Terre, mer, mer, merveille, veille, 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 veille sur nous. Merci. Pourquoi pas légaliser le crack, finalement? Marion, oui, je voulais juste dire que Ginny, elle expose ce soir ses illustrations au Carré Sésame à Paris. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour et de regarder, c'est aussi très très joli ce qu'elle fait. C'est une expérience musicale, n'est-ce pas Franck, hein? Ouais. Alors on va terminer. Mais non, mais c'est quand même assez hallucinant de voir quelqu'un qui a une cape en or nous faire des incantations chamaniques en japonais, ce qui suppose quand même d'avoir énormément d'humour, et Franck Dubosc qui regarde ça avec un sérieux, ah oui, il est très attentif à tout ça, hyper concentré. Non, mais je trouve que c'est c'est très osé, je veux dire, et c'est une belle expérience. On termine avec Damien. Le...